Bien le bonjour jeunes âmes, bien le bonjour YouTube. On se retrouve du coup pour la troisième partie, mais en vidéo YouTube. Je ne sais plus combien c'est. Ça doit être la septième, sept ou huitième. Et on était au camp là, et on devait faire quoi déjà? Ah oui, on devait retourner en arrière, et ensuite il va falloir retourner dans la partie boisée. De l'Oregon. Après, je suppose que toute la partie en dessous là, ça va se découvrir. Parce que s'il y a que ça de jouable, je pense pas. Ouais, si le c'est déjà pas mal, hein, mais je pense qu'il y a vraiment encore en dessous là deux carrés. Ça a l'air d'être le No Man's Land. Mais en tout cas, dans tous les cas, on va commencer par là-bas. Allez, c'est parti. Allez, ouvre-moi. Alors j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient des gros soucis, genre de textures qui s'en vont, de trucs qui apparaissent, disparaissent. Moi ça va, j'ai pas eu de soucis. J'ai juste, moi le seul, que ça soit de là, toi. Le seul problème que j'ai eu, moi, c'est le perso qui est bourré ou drogué, selon les affinités. Alors là, faut faire gaffe. On sait qu'il y a les autres connards là qui se baladent. Où est-ce qu'ils sont? On peut parler en tout cas. Peut-être en train de dormir. Hey, I'm at that location where the girl was last seen. Looks like they got hit by a storm. Et merde, ils sont là. Putain. Mais non, je me fais grand bang déjà. Putain, ils sont pile là. C'était exprès. Voilà. Putain. Les drogues dures. Non, ne fais pas ça, Moonlight, c'est une arnaque complète. Bon, tu peux demander à Mist. Il a... I gotta burn this shit down, make it safer. Il en a bouffé. Alors attends, faut faire gaffe. Apparemment, il y a toute la meute. Where the girl was last seen. Looks like they got hit by a swarm if she was here. Chance she's still alive. If she is, you'll find her. Tuck her out. Bon, y a la meute quelque part. God damn it, swarmers. Allez, mange-toi de coup de pioche. Tac, tac, petit coup de couteau. Ah mais ils sont combien là? Allez, boum, esquive. Deux, trois, un, deux. Voilà, il en faut six. Quoi? Mais, ah, connard, prends tes coups. Allez, ça fait du rugby là. Tiens, toi t'es mort. Bon, on va y aller au flingue. Hein. Si j'arrive à viser. Ah, je vous jure, la visée c'est de la grosse merde. La visée c'est vraiment un point faible dans ce jeu. Là, il y en a encore un. Allez, crève. Tiens, petit lépreux là. Voilà.
Bon, les autres, on va laisser les faire en discret, hein, parce que... Je vous jure... Je vous jure que c'est pas moi. C'est pas moi qui s'y est pas visé. C'est le jeu qui est nul sur ça. Oui, mais t'as une chance... Non, vraiment, regarde les pourcentages, hein. C'est une chance sur... Moi je te dis, je fais pas. Ouais, mais les mails c'est gratos. Attends, merde, c'est dans l'autre sauce. Non, c'est par là. Oh, Jesus, looks like the swamp tore him apart. Poor bastard. Ok, il faut monter. Pause. On entend quelqu'un qui crie. Rose Allen, right? No! Hey, I'm not gonna hurt you, see? I'm not with those assholes. Yeah. No! God damn it, I'm here to help. Tucker sent me. Wait, I said that I am here to help you. No, you're with her. You're from the work camp. No, I'm with Tucker. I do runs for, yeah. They starved me. I wouldn't follow her orders, so they wouldn't feed me. Well, I mean, it's a work camp. I mean, everyone's gotta work. I'm not a slave. I'm not going back, do you hear me? I'd rather die out here. Okay, goddammit. Go on. Je vous jure, les dialogues entre les personnages, ils sont grave bizarres. Ils sont vraiment bizarres. Genre, on réagit pas comme ça, on parle pas comme ça avec les gens, je sais pas. Je pense pas que ce soit les acteurs parce que lui, là, il est très bien. J'ai déjà vu jouer dans des séries. C'est un très bon acteur. D'ailleurs, c'est pas le premier jeu vidéo qu'il fait. Il avait. C'était l'acteur de Star Wars Unleashed Force ou je sais plus quoi là. Il date de il y a quoi, peut-être 6-7 ans déjà, 7-8 ans même. C'est Force Unleashed, hein, je crois, le nom, le titre. Ok, bon, on l'a libéré, mais elle veut pas revenir, apparemment c'est un camp d'esclaves presque, enfin c'est un camp de un camp de travail. Ah merde, ils sont tous là. Oh shit. Ok, alors... Est-ce que j'ai de quoi? Oui, j'ai de quoi. Ok les gars, il y a une baby horde là. Apparemment j'aurais pu y aller d'au-dessus. Mais on va se les faire. Allez, 3. Oula, pourquoi il se lève d'un coup là? Merde, j'ai tiré sans faire exprès. Oh shit, j'ai mal visé. Te baisse pas, connard. Merde, j'ai trop mal visé. Putain, y en a un milliard. Non. Merde. Adola.
need scrap. Putain. J'ai trop mal visé. Enfin, peut-être ils ont commencé à bouger, c'est pas ma faute. Deacon St. John to Ada Tucker. Deke, did you find her? Yeah. Tia Tuck, I found her and she's on her way back. Wait, you let her go? Alone? Well, she took one of the squatter's bikes. She said that she was gonna be able to find her way. She didn't want my help. Oh, god damn it, Deke. You should have brought her in. Well, why? Talk, why? Is something wrong? I mean, is there some reason she wouldn't want to come back? No, no, of course not. It's just a kid like Rose. She's so goddamn cool. Ouais, je vous dis, elle est suspecte, l'autre là. La vieille là. Maybe she does. St. John out. Elle est bizarre, cette vieille là. Bon. Alors. Oui, c'est 50. Bon, soit je me TP, parce que là, de toute manière, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, normalement. Tout ce qu'il y avait à faire, plutôt. Alors, soit je me TP là-bas. Soit je me TP là. Et on va là. Il a l'air d'être une meilleure mission que de chasser des daims. Allez, vas-y, on va faire ça d'abord. Tac, voyage rapide et puis basta. Oui, on t'a dit, c'est une arnaque. Faut pas le faire. Ne le fais pas. Comme t'as dit Mist, fais ce que t'as dit Mist, à la limite. Parce que celui-ci, il est bien. Mais les autres, non. Allez, la bague de l'infini qui tourne et retourne. J'ai une coupe de Clark Kent. Oh putain, j'ai 4%. Ah mais regardez, là. Parfait. Ah, on est revenu ici. On est revenu chez les Joe. Ce serait ouf qu'ils y soient encore. Non, attendez. On ira check quand même, mais... Allez. Voilà. Glou glou glou. Alors voyons voir. Je pense pas qu'ils y soient encore, hein, mais... Sait-on jamais. Ah non, ils ont disparu. Nos amis. Ok. Allez, on se barre d'ici. La moto est super agréable maintenant. Oula, le petit lag. Hop. L'ambiance de nuit, je la trouve vraiment cool. Hein. Regardez-moi ce biker. Oh là là, mais quel homme! Je sais conduire maintenant. Et où par là? Attends mais... Mais où là? Ah d'accord. Je suis reparti... Oh putain, j'avais pas pris la bonne quête. Bon bah du coup vu qu'on y va... On y est presque, on le fait hein. Où est-ce que je vais là? Regardez-moi cette maniabilité. Quel homme!
Je n'ai touché aucun. Je n'ai fait aucune bêtise. Il y a un truc à choper là. Ça donne peut-être de l'XP, je sais pas. La maison de l'épouvante. Ah tiens, elle va me filer des trucs, la maison de l'épouvante. Okay. Merci. Hop. C'est ça. Je t'ai dit que c'est de l'arnaque. Les loups. Ouais, on va chasser les daims du coup. Allez. So, you want to learn how to hunt? That what I'm hearing? I know how to shoot a gun. It's a rifle, not a gun. I was in the 10th Mountain Cope. Don't give me any Marine Corps bullshit. Killing a buck's a little different than killing a man. Or a freak. The best way to hunt an animal is to track it. You gotta focus. And see what nature's trying to tell you. If you look hard enough, you'll see the signs. C'est le moment du tuto chasse. Il sait pas que j'ai la vision de Witcher, lui. Allez, oui. Le daim. J'en ai déjà tué 50 avec ma moto, mais t'inquiète. On a besoin de trouver des pistes. C'est très important. Écoute-les. Non, c'est pas. Okay, bon. On sait que ça allait aller jusque là. Dans le cliché. Ah bah on le voit, tiens, je vais le buter. Ah merde. Quick, there's your buck. I see him. Ouais. Now here, use my rifle. If you were in the 10th mountain, you know how to use a scope. Tiens, file-le-moi. Je chasse à la moto. Easy. I got this. Elle a traqué une proie. Mais quoi? Mais on l'a vu, y'a pas besoin, putain. Genre de mini-jeu, on doit suivre la map. Ah, oula, il va pas bien. Comment il tient? Avec ses cornes. Alors, il y a un mec qui est passé et qui lui a retourné la tête. C'est cassé la gueule. Yeah, he showed me how to gut a deer. Well, let's just say, no disrespect to Boozer, but you got a lot to learn. You're wasting a lot of meat there. Overall, not bad for a beginner. Yeah, thanks. C'est le moment où il va me demander de lui ramener 10 viandes de cerf, 10 viandes de machin, 10 viandes de truc. Allez, la bague de l'infini. Ah oui! Attendez. Faut que je check si demain je fais gagner des clés. J'ai pas regardé ce que je pouvais faire gagner. Attendez. Here, thanks. Like I said, Deke, we can always use more venison at the camp. Still got some folks trying to heal up from that Ripper attack. Okay, Cope. Yeah, I'll see if I can remember that. Ok, pas de quête à la con. Alors, je vais juste faire un petit retour sur Internet et check.
Ok. Bon ben j'ai un jeu à faire gagner. Déjà. Et pas un petit jeu là, c'est vraiment un gros jeu. Mais que j'ai déjà, du coup. Ah non, ah non. Attendez. Un flic. Si si ouais si si. Ok. Bon ben j'ai un gros jeu à faire gagner. Très gros jeu même. Qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Tac. C'est quoi qui fait du bruit là? Allez, arrête avec ton portail là, voilà, calme-toi. Tac. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme jeu? Ça c'est bon. Ça c'est quoi? Ouais, ça je garde. Ça je garde. Ça je sais pas trop. Ça je garde. Je garde. Ça je sais pas. Ok, bon, j'ai au moins un jeu à faire gagner. Et qui est un gros jeu. Quel jeu? Call of Duty Black Ops 3, donc le dernier. Que j'ai déjà. Donc, Osef. Donc, on verra ça demain. Faudra que je trouve un moyen de le faire gagner. How's it going, Booze Man? Fine, goddammit. Hey, D, we're getting low on supplies. Could use some more meat if you get a chance. Allez, tiens, allez, là, quand même là. Okay. Guess it's been a while since we did any hunting. I'll see if I can scare up some meat while I'm out. La quête, va chercher 10 lapins. Yeah, I had Cope give me a few pointers. They're not. Cope, shit, I don't believe it. Thanks, dude. See you, Booth Man. Alright, now I just gotta find some meat. Deer, bear, wolf. Ok, bon, on va trouver de la viande sur le chemin. On lui t'es... Lui, ça, ça. C'est... Allez, regardez. Regardez du loup. Voilà de la viande. Ah! Moi je chasse à la moto. Hein. Je gâche pas mes balles. Voilà! C'est ça qu'on fait. Ça te plaît pas, Myst? Collecter de la viande. Ah, mais il faut collecter plusieurs. C'est un jeu récent quand même. Date de quoi? De fin octobre? Ah, début octobre, un truc comme ça. Pourquoi forcément de la viande? Il veut pas de la... Des légumes. Fosse commune. Être de sang et de merde. Allez hop, cinématique je suppose. Ok, allons chercher cet Irlandais de merde. J'ai rien contre les Irlandais. Hein. Ah, à patte.
Établir un contact. Donc faut pas avoir peur, ils sont aveugles. Il a rien vu du tout. Je suis une ombre. Je suis la nuit. Par contre, lui, là, il va me capter quand même. Faut pas déconner. Tiens, mais la technique du caillou est imbattable. Ah, ils m'attendent, ils sont gentils. Ok, bon, il faut pas s'approcher trop. Serveur était des légumes. Racist. Ah, de là. T'inquiète, t'as rien vu. Ah, merde. Va falloir y aller doucement encore. Les os. Putain. Allez. Alors tout à l'heure, je passais à côté d'eux en faisant des roulades en faisant. Ils n'entendent rien. Et là. Non, je vais pas trop prendre la confiance. Okay, doc. Lieutenant, don't become carrying on yourself. Tiens, je me fais. Faire une salade aussi en attendant. Hop. Là, je prends les cailloux. Mais non, t'as rien entendu du tout. Voilà. Ah oui, c'est toi d'accord. Le mec il crie comme un bœuf et il entend rien. Voilà, là on va laisser un peu de distance. Il va le choper par derrière. Doc,
Wants, stay back. I just want to talk. Nero Protocol 2-7 states clearly that, if conducting operations in quarantine zones, that if I encounter any civilians or civilians, that I'm forbidden from making contact. Really? See, that sounded to me like making contact. Yes. Yes, it did. You're alive. Yes. I am. How? How are you alive? What? I don't understand. Okay. You were there. That night. Farewell. The next night, Nero Protocol 2-7 states burning. Everyone was dead. They were slaughtered. Torn limb from goddamn limb. All right, listen up. We're going to do this the easy way or the hard way. The easy way, we have a little chat. You give me the information that I need, and then you go back to digging your way through freaker shit or whatever the hell is you're doing out here. The hard way. I crack open that little spacesuit, and then we see what your friends out there have to say about you breathing in all this contaminated air. So what's it going to be, O'Brien? Yes. Okay. Okay. You remember the débiles, ils sont où les autres? I put a woman on your chopper. She was wounded. Yes. I remember a knife wound. She was cut pretty bad. I went to the refugee camp that you said you were taking her to. Everyone was dead. So I'm going to ask you again. How did you survive? We weren't there. We were diverted south to another camp. Like you said, the camp in Belknap was overrun, so they moved us south to a camp outside of Silver Lake. Were there survivors? You mean now? I don't know. I was transferred to the research unit. Did she survive? Oh, wait, I can find out. I can check. You have one of our radios. That's how you... I can't promise anything, but... I'll check. Uh-huh, and I'm gonna go with you. No, you can't, please. You don't. Hey, don't understand. I'll fucking shoot you. Not before I shoot you. Okay, look, if you're gonna fucking kill me, do it, okay? I did my job. Did the woman, your wife? I put her on oxygen. I gave her an IV. I kept her alive. I got in a lot of trouble for that. She was septic. She wasn't gonna make it, but I got out of the mass unit. I saved her goddamn life. O'Brien, report. I have to go. Please, you have to get out of here. You don't know these men. You don't know Brian, what they're capable of. If I don't hear from you, I don't care how long it takes, I'm gonna track you down. And I'm gonna do a lot worse than snap off an antenna. I'm sorry about your wife. But you're not the only one who lost someone that night. Ouais non, cette fois t'achètes t'achètes pas tes trucs 4-5 là. Ok. Hop. Ok. On est un petit... C'est un petit connard quand même hein, notre beatman là. Le mec il a sauvé sa femme et il le traite comme de la merde. Il vient de te le dire, t'es con quoi. Est-ce qu'on peut nager? Ouais. Oh putain, ouais, non. On ne peut pas nager. Apparemment, il sait pas faire. Il est en train de délirer. Il est où le... Deke, you there? Who's man? A few days Hop. Ago, I asked you if you remembered that Nero asshole O'Brien. Yeah, Deke, it's all dans la tête. Kind of a blur. Yeah, okay. Get some shut eye, booze man. I'll tell you about it later. What are we riding out of here? Ah merde, il... Soon, loser. Real soon.
Merde, j'avais pas vu qu'il y avait des mecs. Juste en train de chasser le cerf, c'est bon, laissez-moi tranquille. C'est un camp? C'est quoi? Non, c'est même pas un camp. C'est ça là? Non, je regarde droit devant. Il tire où là? You out there, O'Brien? You son of a bitch, you better radio me. You hear me, O'Brien? I know you're on this channel. God damn it. Okay, you better get back to me or I'm going to track you down. You got that? Oh, God damn it. Oh, come on, O'Brien. Et tu viens de le laisser il y a deux secondes. MDR, ils ont rien vu. Alia est conne, hein. Si l'autre il a rien vu quand même là. Il a rien vu. Ah si quand même. Mais les autres pff, rien du tout hein. T'as vu ça? Ça c'est du gameplay ça. Ça c'est un pro gamer ça. Ça tu peux pas le faire. Oh, regarde, il m'a pas vu là. Il a rien vu lui. Je suis la nuit. Ah, il a vraiment rien vu, d'accord. Donc là, lui, il va venir. Et je vais pouvoir le... lui casser la tête. Ah si, quand même, il m'a vu. Voilà, bon. Quand même. Et là, je suis invisible. Ils ne savent plus où je suis, hein. Terminé. Où est-ce qu'ils sont? Coucou. Allez. Je suis une ombre. Putain d'ombre, les gars. Ridicule. Ah, l'IA de ce jeu est quand même assez formidable. Ok, il y a un mec là. Yes! Olé! Sur le côté, t'as rien vu! Putain, quel PGM. Allez. Nope. Allez, il y a une petite hachette là, ça c'est bien. Il y avait vraiment rien de plus ici là. Ok. Bien, redescendons. Ok. Regardez-moi cette ambiance quand même. L'ambiance est vraiment bien. Ils sont forts sur ça. Ils sont même très forts. Regardez-moi ça. Là c'est vraiment très beau. Je vais prendre un screen même. Est-ce que j'en ferai un test quand même? Est-ce que je le finis? Hop. Je vais en faire un screen. Tac. Voilà. Ça c'est très beau. La moto elle est où? Elle est là-bas.
Ah, regardez-moi cette ambiance là quand même, c'est quand même pas mal là. Hop, je prends quelques screens. Deke, you there? Did you track down the chopper? Was it the same guy, the one we saw on the roof that night? Yeah. Yeah, it was him. Do you remember us? Sarah. Allô? I don't know. They got diverted south. He remembered her, but he doesn't know what happened to her. Faut que je fasse gaffe, apparemment ça change la conduite. No. No, look, that's stupid. I just want to find out, you know, what happened to her. Where she died. Ah merde, je pensais que c'était... I don't need to find any peace. I gotta go, alright? Deacon out. Allez, hop, un autre screen. J'espère que je me suis pas cassé la gueule. Si. Hop. Pas d'animaux à cette heure-là. Apparemment, c'est vers là-bas. On va y aller. Cette pluie et la gadoue. Ça change un peu parce que là, je vais moins vite déjà. Et les tournants sont pas pareils. Attendez, un peu de viande. Oh merde, je l'ai raté. Merde. Fils de pute, casse-toi de là. Ils sont combien là? Allez, casse-toi de là, lépreux de merde! Bon. J'ai compris. Enculé là. Hop, du loup. Ma moto a pris cher, j'ai l'impression. Bon, ça va aller à la moitié. Voilà. Comme ça qu'on répare. Il y avait un peu de viande là quelque part. Pas loin. Il y en a un des deux que j'ai pas. Il y en a un. Deux. Il y en avait un troisième pas loin, non? J'avais percuté aussi. Voilà. Bon, au moins il ne pleut plus. Allez, c'est bon. On a fait le taf. On a cette viande. De viande de loup. Je sais pas si c'est bon, mais. Oh merde! Il y a une petite butte. Il y avait une petite butte. Pas sûr quoi j'ai trébuché là, mais.
Ok. Allez, on va l'amener à Boozer. Cassez-vous de là, vous. Ah! J'ai mal drifté là. Avec la pluie. Hop là. Putain, ça glisse. Putain, ça glisse de ouf. Ah, c'est très gadou là. Ah, c'est cool ça, faut faire plus attention et tout. Allez. Ce petit bruit de pluie là. Ah. On se refait. On se remet bien. Allez, Boozer. Hey, Boozman, I brought in some meat. Should keep us stocked up. Oula, il a pas l'air bien. Hey, Dick, thanks, man. Ah, on voit pas le, mec. I'll salt it up in a bit. Ouh, il a pas l'air bien du tout le mec, hein. Ouais, tu vas bien, mon cul. Il est fébrile ton pote là. Bah, occupe-toi de lui. Non, il se casse. Allez. On se casse à 2 km. Rien à péter. L'homme altruiste. L'homme aveugle. Oui, je trébuche, ok. Et alors Ah, mais il n'y a plus d'essence. On a de l'essence là-dedans, non? Ouais. Ok. Il y en a ici, c'est bon. Je suis sauvé. Allez. Voilà. Allez, et maintenant, on doit aller faire quoi? À quel autre là ou... On dirait qu'on revient dans le désert, non? Oui, on doit revenir au camp. Allez voir Lisa. C'est la petite qu'on a, on a sauvée là. On y va en voyage rapide là. Avec sa mère. Bac de l'infini, tant pis. Hein. De toute façon, ça revient même. On a fini tous les trucs secondaires de la zone. Donc dans tous les cas, tranquille. Véhicule de police et des munitions. En vrai, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste qu'il y a beaucoup de bugs et de. Je vois pas mal de gens cracher dessus. Mais ça vaut pas la haine. Hein. C'est classique, certes, mais classique veut pas dire mauvais. Hein. Juste les bugs qui gâchent un peu l'expérience. Ça, l'IA et les scripts qui sont mal. Un peu mal fait. Ah. Allez, on revient deux jours. Oui, ça va. C'est classique. Après, il y a quand même la mécanique des ordres qui est par contre, elle, super. Et mon perso qui est sous drogue dure, ouais, il sait pas parler aux gens. C'est encore un défaut du jeu, c'est quand même un petit peu mal écrit. Thématique. Ils ne me laissent pas partir. Pourquoi voulez-vous partir? C'est sûr ici.
Attends, on a fait tout ce chemin pour ça? Pour trois phases de dialogue? Quand je disais que c'était mal écrit, exemple. Ok. Cam. Bon. Ok, pas plus que ça. Ah, mais lui, il est vraiment là à surveiller la gamine qui bosse. Et toi, connard, tu fais quoi? Attendez, maintenant qu'on est passé level 2, normalement. Maintenant, on peut acheter des armes à lui. Ok, Rick Grimes, file-moi des armes. Allez. Quoi, mais je suis pas passé level 2? À 12 079, merde. Attendez, on va donner. On va vendre des oreilles là. Loser said you guys are thinking about heading north. Yeah, yeah, as soon as we ah, c'est pas assez. See you again. Yeah. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Mais c'est vraiment une prison ici en fait. C'est des goulags hein. Avant. Bon, j'ai pas assez, il me manque environ 400 et quelques. On va reprendre la moto. Au niveau des dialogues, oui, il y a bien pire. Hein. En même temps, l'épisode 3, il n'y avait pas trop de dialogues. Ah, c'était mal écrit tout court. Oui, ils exploitent tout le monde en fait. Et apparemment, on frappait. Attends, je vais le buter moi. Je peux pas sortir mon arme là? Connard, va. Je peux rien faire. Eh, je lui envoie plus personne. Hein. L'autre à côté, c'est un bisounours. Ouais, j'ai rien à faire. C'était, je suis vraiment venu pour ça? Elle a pas de mission, elle? On parie combien qu'elle va que le jeu, vu qu'il est mal scripté, elle va m'appeler 2 secondes après pour que je vienne dans son camp parce qu'elle a une mission. Allez, c'est pour ça qu'elle était pas contente que l'autre elle se casse. Elle a un esclave en moins. Boozer, thank you. Yeah, I'll stop by when I can. Deacon out. Putain, les scripts de ce jeu me rendent fou. On était chez lui il y a 2 minutes. C'est pas une mission, je m'en bats les couilles. Non, un peu d'essence là. Ils disent qu'il y a de l'essence là-dedans. Allez, file-moi ça. Venu pour voir les gens se faire exploiter, exactement. Ah, c'est dommage qu'il soit buggé comme ça. Ça gâche un peu. Mais sinon le jeu est magnifique. Regardez-moi ça, c'est très beau là. Tiens, je vais prendre un screen d'ailleurs pour le test. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire là? On a buté tout ce qu'il y avait à buter, on a fait tous les camps. Je sais pas si on a des trucs. Ah, apparemment là. Ok, c'est bon, on a trouvé un truc à faire. Rétablissez le courant. Allez, let's go. Parti. Ah, le jeu est vraiment magnifique, hein. Par contre, l'ambiance.
les graphes, les FX, il est quand même giga stable. J'ai pas eu de problème d'FPS. J'ai pas eu des énormes bugs, c'est des petits bugs, des petits quality of life problèmes. Allez hop. On peut pas faire du deux roues, non. Allez. Ah, fils de pute. Slow down. It's Roach. It's Roach. You know him. He used to ride with Leon and Alvarez. But I trusted him. Oh, God damn it, Tuck. You shouldn't have. No. He's taken the rest of our drugs and headed north. My boys lost him somewhere around Marion Forks. All right. I'll see if I can track him down. Mon père qui me taxe mes habits pour être classe pour un mariage. Allez. Sniper. Sauvegarde. Et il a vu qu'elle a exploité les enfants, il va quand même bosser pour elle. On a un personnage plein de morale. Un homme bien. Un homme bon. Ok, lui... Bon là je crois que j'ai pas trop le choix. On va devoir y aller en mode... On va y aller en mode bourrin. Donc... Et attendez. Et non, y a rien qui bouge. T'as rien vu. Allez, sors ta tête, toi. Putain, la visée, je vous jure. La visée, elle est à chier. Ça aussi, c'est un problème. Prends tes balles. Voilà, là d'accord. La visée est vraiment bizarre. Hein. Non, pas ça. Juste fouiller le mec. Hop. On me voit plus. Ouais. Il y va à la machette. Goddamn rippers. I am going to kill all of you. Il est énervé mon perso hein. T'as plus où je suis là, ça y est. Il y avait deux mecs là-bas. Mec là, mais c'est pas où je suis. Ok. Il est descendu ce bolos. Il m'a capté. Alors c'est qui m'a... Ah, c'est celui du dessus. Merde. Non, mais prends tes balles. Merde, qu'est-ce que je fais? Ok. Ah, je peux pas recharger.
Voilà. Il est pas mort. Tiens, machette. Boudet. Voilà. Hop là. Prends visée. Hop, on va sortir le sniper. Et là, il peut pas me viser. Moi, oui, mais lui, non. Et hop là. Appelez-moi John Wick. Ah là là, jouer avec l'IA, c'est quand même assez marrant. Après, faut savoir qu'il y a des gens qui rachent sur les IA dans les jeux vidéo, mais... Bon, déjà, il y a un souci technique. On est bloqué sur les IA, on n'arrive pas à faire mieux. Et surtout... Le deuxième souci, c'est que est-ce que ça serait vraiment marrant si on avait des IA giga intelligentes? Parce que on a déjà vu les IA super intelligentes sont des IA qui nous bottent le cul, quoi. Hein, donc, on peut trouver un milieu où presque l'IA a une personnalité. En fait, le mieux, c'est quand l'IA a une personnalité. Dans For Honor, par exemple, les IA ont des personnalités, ils ont des playstyles qui jouent plus ou moins bien. Et ça, c'est les meilleurs trucs qu'on puisse arriver à faire. Non, pour le défi, tu te fais botter le cul. Hein. Les IA trop fortes, elles te massacrent. C'est pour ça que là, à la limite, comme je te dis, la bonne contrepartie, c'est d'avoir des IA qui ont une personnalité. Quand je dis personnalité, c'est un playstyle, quoi, qui joue d'une façon bien spécifique. Quand tu joues en giga hard, dans certains jeux, hein, pas tous, mais par exemple les jeux de combat, bah, ils bloquent tout ce que tu fais parce que ils ont pas de temps de réaction, quoi. Du coup, il faut que je trouve quoi là? Je trouve de l'essence. Mais il y a des mecs là-bas. La cause. On est où là? On est là. On dirait qu'il y a un passage pour la suite du jeu en fait. Ah, mais peut-être que si je rétablis le courant, je vais pouvoir y aller. Ah, attendez. Ouais, non, ça c'est autre chose. Et genre, par exemple, moi je joue à Mortal Kombat 11 là en ce moment. Mais les IA en giga hard, si tu joues normalement, c'est-à-dire pas en faisant des trucs communs. Elle te met pote le fion d'une force. Tu peux rien faire. Il faut que j'enlève, sinon ça va rameuter tout le monde. Bah alors, du coup, il me faut un truc là. Il y en a pas, j'ai l'impression. Il n'y a pas de jerrycan. Ah si, il y en a un là, non? On n'est pas un, ça? Si, c'en est un. Here we go. Never gets old. Il le met pas sur la map. Hop, du kérosène. Ça, je prends toujours. En principe, j'ai cassé tous les trucs qui vont faire du bruit. Ah non, il y en a un autre là-bas, je crois. Avant d'appuyer sur le bouton. Hop. On va aller check celui-là. On va
Ouais, il y en a un là. Hop là, sinon ça va rameuter tous les zombies. Et là normalement c'est ok. Il est où là? Il est là. Je suis d'accord avec toi, plus de personnalité pour que ça donne l'impression que ça soit vivant. Ouais, voilà. C'est juste, par exemple, t'as des IA qui vont faire que du... Ah, merde. Et comment je fais maintenant? Ah. Il y a des IA qui vont que vous travailler au... Merde, il y en a un que j'ai oublié. Mais il est où? Finally. Shut the hell up. Voilà. D'où elle sort, elle? Voilà. Ah, il y en a d'autres. Viens là, ramène-toi. Boulet. Trois, c'est trois coups là. Ah, ils sont en train de se bouffer entre eux. attends, je te réponds après. Ouais. Faut que je les bute parce que. Ramène-toi là. T'as quand ils sont pas en groupe, c'est tranquille. Voilà. Bien. Du coup, je disais. Des bots avec plus de personnalité. Ça veut dire en gros des bots qui vont faire des trucs spécifiques, genre vous attaquez que à distance ou que avec une certaine combinaison de coups, des trucs comme ça, et il faut en faire différents, comme ça c'est moins chiant. C'est juste des trucs forts ou des trucs faibles, c'est pas intéressant. Mais après le problème c'est de trouver cet équilibre dans des jeux avec énormément de mobs différents. Avec énormément de... Enfin, des jeux en open world, c'est compliqué, quoi. Sur les jeux de combat ou les trucs comme ça, c'est plus facile à mettre en place. Ok. Localiser Roach. Ok, j'ai gagné la confiance. Mais sur des jeux comme ça, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup de mobs différents, des trucs de foule. Quand il doit vous attaquer plusieurs en même temps, quand c'est pas du 1 contre 1, des trucs comme ça, c'est plus compliqué. Du coup, il faut trouver... Mais en vrai, c'est on se plaint, mais c'est quand même fun de se sentir tout puissant aussi, quoi. Sur des jeux comme ça, c'est compliqué de faire autrement. Imaginez tout le monde, donc dans ce jeu là, tout le monde me répondait en me contournant. Enfin, après il y a des jeux qui font ça. Hein. Je dis pas, hein, mais... Attends, oula. Manœuvre là. Par où là? Les zombies au cul là. À la limite là ils auraient pu faire genre me faire contourner, des trucs comme ça, ou bon, une IA pas stupide non plus. Attendez, mais ils sont retournés dans le camp eux? Genre ils ont refill la grotte là? Je
Allez, on va check s'ils ont refill la grotte ou pas. Ah non, c'est bon, je les ai butés, hein. Buté, c'est buté. Ok. GG, Moon Knight. Pas bon. Les IA, c'est compliqué. C'est vraiment le domaine où, peut-être dans le jeu vidéo, on peut vraiment améliorer les choses. Mais comme je vous l'ai dit, c'est... faut aussi le mêler au game design pour que... ça reste fun, intéressant à jouer, pas frustrant. Enfin, c'est plein de. C'est pas aussi facile que ce qu'on peut s'imaginer. De toute façon, dans les domaines qu'on connaît pas, on a toujours tendance à diminuer la charge de travail. Hein. Ah, t'as juste à changer les valeurs. Quand un truc va pas, genre un personnage qui a un tir trop puissant, admettons. C'est juste à changer les valeurs. Mais non, ça marche. C'est pas aussi simple que ça. Si je change les valeurs, faut re-upload sur le serveur. Faut peut-être que ça va griller tout le perso. Comment le jeu est conçu. Peut-être que c'est mal. La base de données n'est pas aussi simple d'accès. Enfin, c'est jamais aussi simple que ça, quoi. Ouais, mais on les a tous cramés là, les nests. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ok, connard. Ok. Ok, il faut aller le choper, lui. Chopé. Et les autres, je sais pas qui c'était, mais on l'a chopé. Hey Roach, how's it going, buddy? See? Told you I wasn't gonna kill you. Deke, no. No, I didn't do nothing. That's not what Tucker says. I guess when Leon and Alvarez took off with the camp's drugs, they forgot to cut you in. Is that about it? Deke, no. No, clue me in on what you're thinking, man. I want to understand. You took what was left while the old woman wasn't looking? Oh, Deke, I got nothing on me, okay? Search me. No, I'm not. It's not my job. I'm gonna leave that up to Alki. Allez, je suis sûr qu'il avait rien fait. Mais vu que notre perso, il est con. Well, yeah, he's Deke, alive, but if you want to stay that way, I'll together, guy, remember? You and me, we were friends! Out. Okay. Blood New Gable. No, but yep. Oh, no. Crazy question. Any idea where I can find a thunder egg? What the hell for? The kid I brought in, just trying to find a way to cheer her up. She mentioned having one. Shit, I don't know. Check the gift shop at Belknap Crater. I don't know. Et ça doit être la grotte de. Yeah, okay. Soit d'un ours. Soit doit y avoir une petite horde qui traîne pas loin. Ah non, mais le jeu est bien sinon, Amine. Hein, le gameplay est classique, mis à part pour le truc de. La moto est vraiment bien.
Il y a vraiment un gros effort sur la moto. Les ambiances, les graphismes. Ce bruit là. Les graphismes et surtout ce qu'ils appellent les la horde. C'est quoi qui clignote là-bas? C'est rien du tout. Ils sont pas là d'ailleurs. Ils doivent se balader quelque part. Alors, next. Donc ici, je peux y aller ici. Il y a peut-être des trucs à faire là. Ok, on va visiter là-bas. C'est un open world aussi, hein. On va pour visiter. On va y aller. J'ai pas fait ici. Ça se trouve il y a des camps ou des ou une horde. Pour l'instant, une vraie horde. On en a battu une. Mais parce qu'ils étaient tous en train de dormir, je les ai fourrés d'explosifs dans la grotte. Et voilà le boulot. Oups. Oula. La physique. Ok, on va passer dans un tunnel. Je crois qu'on avait déjà clean à l'intérieur. Les tunnels, ça fait flipper quand même. Oh, what the hell? That's worth checking out. Checking out quoi? J'ai pas compris ce qu'il voulait qu'on check, mais ok. Ah, regardez une petite horde là. Hop là. Oh putain de ta mère. Non, non, non. Le pont. Oh putain, ils ont fait me choper là. Ça c'est flippant par contre. Ça c'est une baby horde. Non, putain de merde. Ah non, c'est bon, c'est pas profond. On chasse encore là. Il y en a deux qui veulent mon cul. Ok. Il y a une petite horde. Pas loin. Mais rien de méchant. Ok, il y a une mine là. Ça doit être l'endroit où ils dorment. On les voit, ils sont là-bas. Traverse le pont, c'est bon. Ok. Ah voilà, c'est ça. Prendre la pioche. J'entends des mecs. Ok. Il y a des... Il y a du mouvement. Beacon inside the mine. Ok, ça on parie combien que ça va être des trucs à. Ah, cool. Ils sont pas là en tout cas. Pas dans la manette. Ok, ils sont où là?
Ils sont là. Une petite horde, ça. Hein. C'est une toute petite horde. Une ordounette. Vas-y, on va continuer à explorer. Allez, on s'en fout d'eux. Une toute petite horde. Pas très important. Merde, par contre, fonce pas dans les trucs, sinon tu vas te faire choper. Tu vas te faire choper. Non. Et là-bas, c'est fermé. Donc, plus de train. Et apparemment, il y a un camp de renégats là. Juste ici. On va aller se le faire. Ok, c'est ici. Attends, ils me poursuivent encore là? The fuck? Mais ils vont vite. Ok, je me barre. Putain, il y en a pas mal, oh. On va faire un petit tour. Pourquoi il y a de la lumière là-bas? Plus d'essence. Ah, mais on est retourné ici. On est retourné là. Ok. Ok, il y a de l'essence juste à côté, c'est bon. On est tranquille. J'ai failli me faire choper, hein. Il y en a une qui me poursuit, hein. T'as la fin, toi. Casse-toi de là. Voilà. Ok, ça ira pour la VOD YouTube. À tout de suite.